s'affrontent pour élucider la brillante stratégie militaire des arachnides. Quand une colonie atteint un certain âge, au moins 300 générations, cher ami, son intellect progresse. Des insectes doués d'intelligence, j'avoue que j'aimerais les voir. Je ne crois pas avoir jamais entendu de tels sorts. Voudriez-vous vous taire un moment, s'il vous plaît ? Le plus gros test auquel on ne m'est jamais convié, lui. Y a-t-il un parasite que personne n'aurait encore découvert, une caste dominante, un grand esprit? Un pou qui pense! Franchement, votre suggestion d'une vermine intelligente est inadmissible! Oh, bonjour et bienvenue sur... Dans la compagnie d'Arco Teco Gaming, je suis Devil. Looks like the door ahead is fused. You're gonna have to take a bypass through the upper levels. On avance. Eh merde. Ça fait longtemps que j'ai pu jouer au jeu, je ne suis pas bien installé à cause du chat. Allez, va-t'en. So now I'm too late. S'il te plaît, recule un peu. At this rate, the logistics branch will be getting a discount on ordering new Marauder nameplates. I had to build that SOB Hauser. Allez, on load. Alors, j'ai pensé faire ça à la place de Catherine, parce que Catherine, ça me faisait un peu chier de faire ça trop vite. Alors, je me souviens plus trop des touches. Looks like the door ahead is fused. You're gonna have to take a bypass through the upper levels. C'est que j'ai pas de quoi me soigner. Et que si je ralentis, en fait, ça respawn à chaque fois. Et en grand nombre. Je ne peux pas, c'est physiquement pas possible. So now I'm two men down. At this rate, the logistics... Non mais là je peux pas, c'est physiquement pas possible. Parce que je ne peux pas les tuer, parce qu'ils respawnent. Je peux pas les tuer, ça respawn, j'ai déjà essayé en off, ça respawn. Et même si je n'arrive, et même si je commence à balancer. Alors il me reste des missiles ici sur la Mokita.
Mais bon, vaut mieux que j'y aille à la carabine de base, quoi. Limite, mon meilleur ami encore, c'est ce truc. Parce qu'il fout le feu à ses propres alliés. Regardez, mon bouclier est déjà presque mort. Looks like the door ahead is fused. You're gonna have to take a bypass through the upper levels. Et je leur fais que dalle comme dégâts parce que j'utilise pas les bonnes armes, mais les bonnes armes j'en ai pas. Allez hop. L'aime là, je suis supposé être à l'abri. Il passe au travers. Vous n'êtes pas supposé entrer dans la caisse. Looks like the double or nothing option. Voilà, même mon chat est énervé. Allez, calme-toi. Donc, si je n'arrive pas à passer ce level, Marauder 1 is missing an app. C'est la fin du let's play. Je suis désolé, je peux pas, à moins de tricher, mais je vais pas le cheater comme ça sur un vieux jeu. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore des... Ça a encore des grenades. Recharge ton bouclier, c'est épais. Looks like the door ahead is fused. You're gonna have to take a bypass parce qu'il est constamment en train de se faire défoncer. Et j'ai bientôt plus de vie. Allez, bouclier, recharge-toi. Bouclier chargé. SVP, filez-moi du soin. Shotgun, j'ai rien. Meurs, STP. Allez, t'es supposé être une arme lourde, STP. Bon, on va aller recharger notre bouclier dans notre coin. Voilà. Et je me fais avoir par l'insecte que j'ai laissé en bas. Looks like the double or nothing option came. Oh, nothing. Petit chat. So now I'm two men down. Donc voilà, malheureusement, je pense qu'on ne peut pas continuer cette partie comme ça. Je vais peut-être faire quelques recherches en mode... Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'avais arrêté à la base le Let's Play de Starship Troopers, c'est qu'à chaque fois que je faisais un nouvel épisode, j'arrivais pas à avancer. Je reste coincé à cet ascenseur. Donc c'est pour ça que je m'étais lancé dans Catherine.
Et je m'étais dit qu'il fallait que je vous explique comment, pour, le pourquoi du comment Starship Trooper s'est arrêté, que soudainement on avait pris Catherine. Voilà. Ce sera encore un let's play inachevé, mais bon, au moins on s'est bien marré. Personnellement, je trouve que si ce jeu venait. Enfin, ce jeu revenait avec un remake moderne, où on nous permettait de recharger un peu plus facilement notre santé, même si voilà, c'est un peu plus challengeant et tout ça, mais au moins, voilà, des vagues d'ennemis comme ça, ça peut être très sympa. Et surtout avoir ce petit message de propagande en mode Starship Troopers, l'armée, rejoignez-nous. Parce que c'est quand même assez satirique, hein, mais voilà mon cercueil envoyé dans l'espace. Je vous dis à la prochaine pour un autre let's play, voilà, ça conclut le let's play de Starship Troopers. Tant pis pour moi, s'il y a d'autres personnes sur YouTube qui le font, tant mieux pour eux. Moi je me suis quand même bien marré pour ce que j'ai joué à la base. Je trouve que le concept était assez sympa, mais voilà. Je suis pas un spécialiste des FPS solo avec très peu de vie. Moi je suis plus un habitué des Borderlands où tu défonces tout et que tu reviens à la vie directe. Tu sais pas, tu dois sauvegarder à tout prix sinon tu meurs. Et quand tu reviens, t'as toute ta vie et tout ça. Voilà. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine pour d'autres let's plays sur Dark Otaku Gaming. C'était Devil, à plus. Et c'était un bon jour pour mourir. Sincèrement. Bien sûr, il n'est plus là, mais il nous a laissé une chanson. Décès du Sky Marshal Omar Anoke, guerrier, philosophe, véritable héros de la Fédération. À travers la Fédération, le consensus entre les experts fédéraux est que A. Dieu existe après tout. B. Il est dans notre camp. Et C. Il souhaite notre victoire. Et voilà de bien meilleures nouvelles encore, frère croyant. C'est officiel. Dieu est de retour. Et c'est un citoyen, lui aussi. Engagez-vous. Faites votre devoir. La guerre n'est pas près de finir et on a besoin de vous. Vous êtes prêts pour les maraudeurs? Rejoignez l'infanterie mobile et voyez si vous avez ce qu'il faut pour être un vrai citoyen. On se retrouve sur le pont, soldats.